Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis, c'est Supra World. Pour ma part, ça va, c'est bien. Je pourrais être encore, avoir encore plus d'énergie, mais ce sera pour une prochaine fois là. J'ai fait un peu la fête là, ces derniers jours là, j'ai aussi travaillé, du coup il est temps un peu que je me régénère. Vous comprenez, vous avez déjà sûrement été dans la même situation. J'espère sincèrement que dans cette vidéo, vos proches vont bien, que vos projets avancent si vous en avez. Pour ma part, à ce niveau là, ça va. Vraiment, ce serait bien qu'on passe un bon moment au sein de ce gameplay, le gameplay numéro 66, si je ne m'abuse. Enfin, le numéro a peu d'importance, c'est vraiment la vidéo en soi, on va se concentrer. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit le retour sur le jeu, sur la vidéo, ou même sur ma manière, sur ma qualité de youtubeur, j'ai envie de dire. Voilà, conseils, critiques constructives, tout ça j'accepte ouvertement et même chaleureusement, j'ai envie de dire. Nous allons commencer. Et pas que commencer, on va faire au moins la moitié de la saison numéro 24. On arrive vraiment tout doucement vers la fin du chapitre 2. Chapitre 1 nous a déjà pris longtemps. Je vous mets à haut à droite la vidéo, on le termine à 100%. Chapitre 2, malheureusement, il nous manque quelques véhicules. Et il y a des véhicules vraiment... j'ai vu un niveau où il fallait un rang de 3700 quelque chose. Alors que pour l'instant, j'ai même pas des rangs de 2900. Donc la saison 2, on pourra la terminer intégralement dans quelques semaines ou quelques mois. Ah, vraiment, il faudra un peu attendre, donc cette vidéo-là va pas arriver tout de suite. Mais très bientôt, très prochainement, les amis, dans quelques semaines, nous lancerons le chapitre numéro 3. Et là, je crois que c'est un des plus longs chapitres, il risque de durer vraiment longtemps, s'il dure 5, 6 mois, ça m'étonne pas. Ça m'étonnerait pas du tout, ça. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous allez bien aimer cette vidéo. Première partie, et il y aura juste deux parties, parce que c'est pas une saison énorme. Première partie de la saison, j'ai oublié le nom, désolé, je vous le mets à l'écran. Et franchement, je crois qu'on va bien s'amuser. On récupère quelques récompenses ici, en début de vidéo, puis après on est parti dans le sujet principal. Ah ouais, ok. On va faire quelque chose, les amis, bientôt on fera une vidéo bilan. Bilan un petit peu de notre progression dans ce jeu, parce que ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé à faire des vidéos. Je remercie d'ailleurs ceux qui like, qui commandent régulièrement, ça fait vraiment plaisir. Je ferai une vidéo un peu hors série, entre guillemets. Elle sera pas dans une saison épisode bonus, mais ce sera vidéo épisode bilan, où on fera pas vraiment de course, on parlera beaucoup, l'espace commentaire sera plus ouvert que d'habitude. Ce sera une vidéo où j'en profiterai pour débloquer des véhicules, parce que c'est bien de faire des vidéos test drive sur les véhicules, mais il y a tellement de véhicules à débloquer dans ce jeu, les amis, que je vais pas faire un milliard de vidéos test drive, vous comprenez bien que ça prendrait peut-être un petit peu de temps et que ce sera un peu répétitif au bout d'un moment, même si chaque voiture est différente. Vous voyez, pour l'instant, j'ai au moins 4 ou 5 voitures à débloquer, j'en ai encore plus d'ici quelques temps. Et qu'est-ce que je peux récupérer des autres choses? Non, ça va, donc on va se lancer dans le mode carrière. Je pense que 2 à 3 minutes, de manière générale, c'est pas trop pour se lancer dans le sujet principal. Que j'aime bien prendre contact avec vous. Donc on fera un bilan bientôt, et la vidéo, le gameplay terminé à 100% le chapitre 2, c'est pas pour tout de suite. Donc saison numéro 24. Je rappelle que c'est arbitraire le numérotage de saison par rapport à leur moment d'apparition. Ici on a sauté une saison, donc on ira directement, je considérerai directement que c'est la saison numéro 26, la première saison de chapitre 3, voilà, c'est pas très important. Vous voyez qu'il y a 12 niveaux, donc on va faire 6 niveaux dans cette vidéo sans trop traîner, en espérant que les courses soient pas trop longues. Je pense que les vidéos de 15-20 minutes, surtout vers les 15 minutes, ça convient au plus grand nombre. Quand c'est vers les 25 minutes, ça commence à être un peu long pour certains, je l'ai bien remarqué. Donc on a des voitures qui ont clairement un rang assez élevé, on va essayer d'utiliser plusieurs véhicules différents dans cette... On va utiliser 6 véhicules différents, ça risque d'être marrant. Vous les avez peut-être vus sur la miniature, maintenant que j'y pense. Donc on va pas forcément les prendre dans l'ordre, on va d'abord prendre les moins bons. Comme ça, si jamais le rang recommandé augmente par la suite dans les prochains niveaux, bah, qu'on peut plus utiliser ces véhicules-là, on l'aura déjà utilisé avant. Donc la Jaguar F-Type SVR, dont on avait fait la review il y a pas longtemps. Vraiment belle, je trouve. Let's go, c'est parti. Une course dans une ville de nuit. C'est assez beau tout ça. C'est pas une de mes courses préférées, mais on s'amuse bien ici. Je sais pas pourquoi on a un rang plus élevé que eux, pourtant ils démarrent bien plus fort que nous. Je sais pas si j'ai loupé un truc, peut-être j'ai fait le tournant un peu large au début. This is not important de toute façon, c'est qu'un jeu, on est juste là pour s'amuser. Mais bon, je prends quand même ça au sérieux.
On fera un petit tour dans le métro. Hop. Enfin, le métro, je sais pas, c'est une espèce de parking ou aucune idée. Si vous aussi vous faites des vidéos sur ce beau jeu, comme je le mets en général au début des gameplays, avant qu'il ne commence, n'hésitez pas à nous les partager à l'aide de liens dans l'espace commentaire. Vous avez le droit de faire votre pub vraiment. À la limite, je vous y encourage. Découvrez du contenu un peu différent du mien. Vraiment, voir si vous êtes fort, comment vous jouez, si vous donnez des conseils, tout ça, ça peut vraiment être intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas eu de personnes qui ont vraiment partagé leurs vidéos d'Asphalt 9. Il n'y a pas tant de ça, il n'y a pas tant de youtubeurs que ça qui en font en français. Ça va au niveau des objectifs, c'est tout simple. Vraiment, ça peut être intéressant si j'ai la chance de tomber sur un autre youtubeur qui fait des vidéos d'Asphalt 9 en français. Parce qu'il y en a surtout qui parlent en anglais, jusqu'à maintenant. Donc jusqu'ici, voilà, c'était assez simple, on va dire que c'est une espèce d'introduction. Passons à la suite immédiatement. Vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo a un jour de retard. En général, je sors le week-end. Là, le week-end, j'étais fort fatigué, j'étais assez occupé quand même. Donc, j'ai préféré que la vidéo soit d'une meilleure qualité pour que je ne sois pas trop fatigué et la faire un jour plus tard. Voilà, ça peut arriver. C'est ça que c'est généralement le week-end. Si des fois, c'est pas le week-end, je m'en excuse. Ça peut arriver, voilà, sachez-le. Donc, level number 2 de la saison et de cette vidéo d'ailleurs. On est reparti. Avec cette belle, cette somptueuse Porsche que vous voyez maintenant. L'objectif est simple et à nouveau unique. Simplement terminer la course premier. Ça va être du gâteau. Mais bon, je ne vais pas dormir non plus. Hein. Rome, j'aime déjà mieux comme course. Je crois que j'aime toutes les courses du jeu. Peu importe les lieux, les villes, les pays, mais j'ai une petite préférence comme tout le monde. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire quel est votre lieu préféré de course dans ce beau jeu. Oh! Ah ouais, ok, je m'attendais pas à celle-là. C'est une espèce de petit ping-pong qui va se faire là. On s'est pris le mur. Puis on a ricoché, malheureusement, on assume l'entière responsabilité. On dirait que je suis en train de parler devant un juge, là, que je vais te faire un crime, là. Genre, on assume l'entière responsabilité, mais pas du tout. Ça met un peu de piment, les courses, les levels avec la police. Merci d'être là, hein, même si vous prenez pour des gangsters alors qu'on n'a rien fait. Parce qu'on roule trop vite, apparemment, et que c'est interdit, les courses de rue. J'imagine que c'est hors organisation. Surtout pas gouvernemental dans le cadre d'Asphalt 9. Bon, la police peut terminer devant nous, elle compte pas comme un vrai concurrent. Mais bon, la dépasse quand même à l'affaire. Hey. C'est cool, j'ai l'impression qu'elle durait légèrement plus longtemps que l'autre, ouais. Une petite vingtaine de secondes de plus que l'autre. On est bien lancé ici, j'espère sincèrement que vous aimez bien la vidéo jusqu'ici. Si tel est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, c'est vraiment plaisir, ça encourage à continuer les gameplays. Et j'ai rien à dire d'autre jusqu'à maintenant. Si ce n'est qu'on doit continuer avec la motivation, bien entendu. Niveau suivant, au Caire. Ce lieu-là aussi est cool, je trouve. Maintenant, on va se prendre la petite Aston Martin. Ça fait un moment qu'on l'a plus utilisée en violet. Comme ça, je la trouve vraiment belle. Franchement, ça déchire un peu. Chacun ses goûts après. Les amis, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Je parle surtout aux plus anciens. Qu'il y a des saisons qui se rajoutent. Parfois, pas toujours. En tout cas, qui sont déjà rajoutées. Dans le mode histoire, il y a des chapitres qui étaient plus petits avant, qui comprenaient peut-être 10 saisons ou 15, maintenant il y en a quelques-unes en plus. J'ai déjà vu ça, des saisons qui sont plus compliquées et qui sont rajoutées par la suite dans certains chapitres. J'ai pris un moment pour le comprendre, mais là, franchement j'ai bien capté. Ah ouais, ce pont-là, il s'explose totalement. Prendre ce pont sans se détruire, c'est un peu compliqué. Ah, on n'était pas loin, franchement j'ai du mal à viser. Non, je dois pas changer de paire de lunettes, c'est juste que voilà, j'ai pas encore trop l'habitude de ce passage. Dit le type qui joue au jeu depuis plus d'un an. Et oui, des fois, il y en a qui apprennent plus lentement que d'autres. Il faut accepter tout le monde. Je ne me considère pas comme un faible sur ce jeu, mais j'ai encore fait beaucoup de progrès. Je sais pas si un jour, je serai un champion. N'hésitez pas à nous dire quel est votre niveau. Pensez avoir quel niveau sur ce jeu. Petit, grand, peut-être un champion, je sais pas. Il fallait faire un genou. Il y a les objectifs, parce que des fois, je fais pas attention.
gagner la course. Essayer peut-être de moins causer à certains moments. Je crois que ça va en général. Juste les courses test drive, c'est un peu plus fait exprès pour des reviews, donc là je m'autorise un peu plus à parler. Figurez-vous que depuis pas longtemps, on a eu la Nintendo Switch chez nous, parce qu'on avait une vieille Wii U, il n'y avait plus de place dessus, ça buguait un peu parfois. Donc ici, Nintendo Switch, et dessus j'ai pu installer gratuitement Asphalt 9. Donc j'ai fait ça, voilà, parce que j'aime bien le jeu, mais je crois que ça sert à rien parce que j'y joue pas. Je joue que sur Android, sur tablette, tactile, et c'est déjà bien assez. Mais sur Nintendo Switch, c'est pas mal aussi, je trouve. Peut-être que je pourrais créer un deuxième club, mais peut-être pas rejoindre le club que j'ai déjà ici. C'est pas à ce niveau-là. Bon, trois niveaux, on a fait à peu près la moitié. Ici, on s'amuse bien, je trouve. J'espère que c'est votre cas aussi. Course suivante. Grâce à la publicité, je vais être gagné pas loin de 30 000 crédits d'un coup. 13 000 en plus, maintenant. Les amis, moi, je me fais une sécurité. J'essaie de pas descendre entre 200 000 et 300 000 crédits. Que c'est jamais qu'il y ait une occasion qu'on veuille sauter dessus. Alors, en tout, j'ai 7 voitures dans la classe B. Il y en a une qu'on va pas utiliser, du coup, comme il y a 6 niveaux. Celle-ci, franchement, pour l'instant, c'est une de mes préférées dans celle que j'ai, donc on va l'utiliser maintenant, sans plus attendre. Une course un peu plus courte. J'ai envie de dire heureusement, comme ça, on est à peu près sûr que la vidéo ne sera pas trop longue. Des fois, surtout avant, j'avais tendance à traîner en parlant trop entre les courses, même avant les courses et après. Et peut-être des fois en faisant trop de courses, simplement. Mais là, franchement, je me limite, vidéo en 15-20 minutes, ça paraît correspondre au plus grand nombre. Pas trop long, pas trop court, il me semble. Un peu à l'instar de la durée moyenne des épisodes de manga, moi j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec Asphalt 9, mais j'y pense quand même. Tiens, bah c'est la même course qu'on a faite tout à l'heure, mais on l'a fait avec des objectifs différents. Et un véhicule différent. Il va bien ce véhicule, je trouve. Bonne maniabilité. On a eu une bonne cote de la vidéo de review que je vous mets à droite de l'écran si vous êtes intéressé. On va pas faire la même erreur ici. Et on a fait la même erreur. Il y en a qui ont peut-être envie de pleurer là. Ah ouais, punaise, si on n'avait pas fait ça, le type ne devrait pas dépasser à la fin. Fallait gagner la course. Bon, franchement, les amis, là, on n'est pas fiers. Moi, je dis, j'ai quand même gagné. Oh. Hop, magie du montage. Voilà, ce que j'appelle être premier, et c'est vraiment satisfaisant, c'est cool. Pour la progression, on continue. La suite, maintenant. J'imagine bien que regarder les publicités, c'est ennuyant pour beaucoup de personnes. Parfois il vaut mieux faire entre guillemets des sacrifices parce que c'est avantageux. Sauf si vous êtes vraiment strictement contre le capitalisme. Surtout pour les grosses organisations comme Gameloft qui aident pas trop la planète. Ici, on va utiliser maintenant le Lamborghini Astereo. Avant dernière course de ce gameplay. Donc vraiment il reste plus beaucoup de gameplay avant la fin du chapitre 2. Pas terminé à 100%, c'est dommage à ce niveau-là, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Il manque la BMW E-Wit Roadster, pour être exact, et aussi la Venser Cert. Je vous mets toutes les deux à l'écran, là. Je sais pas quand je les aurai, à ce moment-là, je pourrais terminer enfin à 100%, logiquement. Donc on a déjà rempli un objectif. L'autre, qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, il vaut mieux rigoler qu'en pleurer, mais c'était un peu bizarre. On a pris pas normalement le tremplin. 20 secondes de nitro. Cette fois-ci, vraiment, j'ai pas trop envie de recommencer la course. Donc il faut qu'on assure, il vaut mieux. Il y a des fois où on joue moins avec d'autres que d'autres, les amis. Ça dépend à quel point on est en forme. Le premier, il a pris un peu d'avance, mais croyez bien que je vais le rattraper. J'en fais le serment plus ou moins solennel. Tu crois où mon petit? Tu crois vraiment que je vais te laisser passer comme ça? Non. Et quoi mais? Ça vaut la même chose pour ton copain, mon petit, apprends ça. J'ai voulu le détruire, mais des fois, ça n'aboutit pas. On n'atteint pas toujours nos objectifs, comme on dit. Attention que ceux sur la carte en bas à gauche me rattrapent, mais je crois que ça ira. Déjà plus de 3/4 de la course. On va prendre un petit tremplin pour la fête. On va lui faire quelques petites vrilles pour la fête. Avec une petite tour de choc aussi. Ça fait bien plaisir. Passons maintenant au dernier niveau. Level number 6. Donc on aura fait la moitié.
en faisant celui-ci. On va utiliser celle qui est de l'OL, la meilleure, le meilleur véhicule de la classe B que j'ai. Hein, que j'ai, sinon il y en a des meilleurs. Celle qui nous avait été offerte pour le 4ème, la célébration du 4ème anniversaire du jeu. J'espère la passer 2-3 étoiles dans pas trop longtemps. Chevrolet Corvette Grand Sport. Let's go! Une course au Caire. De nouveau. Je crois que c'est un des lieux que je préfère. Ça me fait penser aux vacances. Cette année-ci, moi, je vais partir en vacances dans la région provençale, enfin, région de Provence en France. Et vous? C'est pas à nous dire si vous partez en vacances ou est-ce. Comme ça, je viendrai vous cambrioler pendant que vous n'êtes pas là. Ah, franchement, là, je me sens bien. Dit-il en se prenant une voiture. Niveau objectif, gagner la course, tout simplement. Franchement, ça va vite, c'est la plus petite course de la vidéo, je crois. Mais nous allons tout de même terminer sur une note plus positive. Petite course en événement pour vous faire plaisir, les amis. C'était Supraworld, j'espère sincèrement que vous avez bien aimé cette énième gameplay d'Asphalt 9. Il y en a encore plein, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ont bien aimé la vidéo, ceux qui jouent et qui sont intéressés au jeu. Je vous souhaite de bien vous porter, d'atteindre vos objectifs, de prendre soin de vos proches, surtout de profiter de la vie. Et nous vous dit ciao, bye bye, et à la prochaine pour d'autres courses folles sur ce jeu magnifique. Bye! Thank you.